Donc, l'instruction if tout le monde, c'est là où on doit placer les routines. Donc, je dois placer une routine après la condition. Donc, comment je dois connaître là où placer les routines? C'est là où il y a un contrôle sémantique, c'est-à-dire un branchement, une déclaration d'un identificateur ou bien vérification de type. On va essayer d'utiliser Webex une autre fois, parce que comme ça, c'est pas possible d'accepter. Je vais passer une heure à accepter des personnes. Donc, tout le monde sait qu'il y a une routine après la condition, une routine après, c'est un branchement, parce qu'il y a un branchement, une routine après l'instruction 1 et une routine après l'instruction 2. Pourquoi? Parce qu'il y a des branchements après la condition, après l'instruction 1 et après l'instruction 2. Il y a des branchements, donc on doit générer des branchements, les sauvegarder et mettre à jour. D'accord. Donc, on va, c'est-à-dire de, donc, il y a une condition, il y a une, ici, une routine, après l'instruction 1, une routine, après l'instruction 2. Donc, c'est-à-dire, la grammaire va devenir, qu'est-ce qu'elle va devenir la grammaire? On va décomposer. Donc, je vais commencer de la fin. Donc, je ne vais pas décomposer ici. Je ne vais pas dire instruction, il va me donner A, parce que tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Tout à l'heure, lorsqu'il y a une routine entre alpha et bêta, je vais dire A qui me donne grand B bêta. Mais ici, il y a trois routines. Donc, dans notre cas, il y a trois routines. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer. Donc ici, ça ne pose pas de problème parce que la routine, elle est à la fin. Donc, je vais prendre tout ça. Donc, ça va me... Tout ça, c'est un nom terminal. Donc, instruction if. Donc, début l'instruction if, ou bien vous pouvez noter un nom terminal, un autre nom terminal, par exemple, grand A. Donc, instruction if qui me donne tout ça, c'est grand A. Else, instruction 2. D'accord. Et le grand A, ou bien j'ai appelé début instruction if, c'est quoi? Ça va me donner ça. Et ça, il y a une routine au milieu, donc ça va me donner un autre nom terminal, début, je vais appeler début, vers instruction 1. D'accord? Et le deuxième nom terminal va me donner if condition. Donc les routines sont toutes à la fin. Donc celle-là, c'est cette routine-là, c'est la dernière. La deuxième, elle est ici. Et la troisième, c'est après if condition. Donc ça, c'est pour la grammaire et l'emplacement des routines. Donc, on vous demande toujours de faire le schéma de traduction. Donc, c'est-à-dire, vous avez la grammaire. On a donné la grammaire sémantique. Donc, elle est basée sur la syntaxe. On a transformé la grammaire. Donc, pour... Ici, on va pas faire les quadruplés, mais on va faire la forme post-fixée. D'accord, la forme post-fixée. Je rappelle que les quadruplés, c'est une matrice à quatre colonnes. Et pour la forme post-fixée, qui peut me dire c'est quoi la structure de la forme post-fixée? Donc, les quadruplés, lorsqu'on dit quadruplé QC, c'est-à-dire la ligne de la matrice courante. Pour la forme post-fixée, c'est quoi la structure? Vous ne connaissez pas? Vous ne savez pas? Arbre. Pardon? Arbre. Je n'arrive pas à entendre. Arbre. Arbre, non, non, c'est pas un arbre.
Oui, Kazukeit me dit opération 1. Donc, ça, c'est la forme post-fixée. Mais c'est quoi en réalité? C'est quoi la forme intermédiaire? C'est quoi? C'est une forme, c'est un tableau. C'est un vecteur. C'est juste un vecteur. Les quadruplés, c'est une matrice. D'accord? Donc, je reviens sur les quadruplés. Les quadruplés, c'est quoi? C'est une matrice. Lorsqu'on dit ici, si quad QC égale à ça, quad QC, c'est-à-dire je suis dans le quadruplé courant, la ligne courante, parce que je me déplace du premier quadruplé au dernier, je suis dans un quadruplé donné, je vais mettre ça. Et j'avance, quadruplé QC plus plus. D'accord? Je crée et j'avance. La forme post-fixée, c'est un vecteur que je dois créer. D'accord? Donc ici, je remplis une matrice et dans la forme post-fixée, c'est un vecteur. Donc, pour notre exemple, l'instruction if, donc la forme post-fixée, donc tout le monde sait que la forme post-fixée du matrice de l'instruction condition, c'est d'abord la forme post-fixée de la condition. Donc, peu importe, donc on va la considérer comme une boîte noire, peu importe ce qui est la condition, on ne nous a pas donné la condition. Donc, forme post-fixée de la condition. Après, il y a quoi? Donc, la même chose que dans les quadruplets. Donc, la forme post-fixée de la condition, après, il y a un branchement si la condition est fausse. Y a un branchement. Qu'est-ce qu'on va faire dans les la forme post-fixée? On commence par l'emplacement là où on va se brancher. Après, on va mettre le branchement. C'est-à-dire, j'ai ça. La forme post-fixée de la condition, on a else. C'est-à-dire, je vais aller vers S si la condition est fausse. BZ, on va considérer que BZ, ça veut dire si c'est égal à 0, ça veut dire la condition est fausse. Si la condition est fausse, je commence d'abord par l'emplacement, ensuite par le branchement, parce que c'est la forme post-fixée. Vous commencez par les opérands, ensuite l'opération. C'est-à-dire vous inversez. Ici aussi, on inverse. On commence par l'emplacement, après le branchement. Donc, else, bz. Après, il y a la forme. Si je ne branche pas vers else, j'exécute l'instruction 1. L'instruction 1, donc je vais mettre la forme post-fixée de l'instruction 1. Si j'exécute l'instruction 1, je dois me brancher vers la fin. Donc, il y a d'abord fin et br. À la fin, c'est la forme post-fixée de l'instruction 2. Tout ça, c'est quoi? C'est des cases d'un vecteur. Le else ici, c'est un emplacement du vecteur, par exemple. J'ai ici un exemple. Bon, ce n'est pas un exemple d'un tableau, mais ça, c'est la forme intermédiaire ou bien la forme post-fixée de notre condition. Il y a d'abord la forme post-fixée de la condition, else, c'est la position du tableau. Par exemple, ici, la position, je vais considérer, par exemple, c'est 15. D'accord? On va mettre carrément 15 ici. Ensuite, BZ, PF instruction 1. Donc, il y a la forme post-fixée de l'instruction 1, par exemple, A, B, C, plus, égale. La forme post-fixée de l'instruction 1. Fin, par exemple, c'est 20. La position fin, donc il faut mettre la position de la fin du tableau. La position dans un tableau, dans le vecteur. D'accord? Regardez ici. J'ai donné un tableau pour que ça soit plus clair. Pour voir, donc il faut comprendre ça pour pouvoir écrire les routines. Si vous ne comprenez pas ça, donc vous ne pouvez pas écrire les routines. Donc, la forme PF, ce qu'on appelle PF, c'est le nom du tableau. Vous pouvez l'appeler autrement. D'accord? PF ou bien FP, c'est le nom du tableau. PF de I, c'est-à-dire un emplacement dans un tableau. Donc, après la condition, imaginez qu'il y a deux cases ou bien plus pour la condition, peu importe, c'est une boîte noire. PF condition,
D'accord. Après la condition, il y a une routine. D'accord. Il y a une routine. Nous, on se positionne ici. Qu'est-ce que ça veut dire, il y a une routine après la condition? Ça veut dire que je me place après, juste après la condition. C'est-à-dire, dans le tableau, l'indice I est juste après la routine, dans une case libre. Je suis là. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire après la condition? Je dois mettre... Est-ce que j'ai la position else ici? C'est-à-dire, else, par exemple, si je vais considérer ici, br, le else, il est là. D'accord, le else. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalement, je vais mettre 8 ici. Mais à ce moment-là, je ne connais pas la position. Lorsque je suis en, après la condition, je ne connais pas que je vais me brancher vers 8. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sauvegarder dans une variable que je vais appeler sort des z. Je vais mettre quoi? Je vais mettre i. D'accord? Le i. Je vais mettre dans l'ensemble des z et j'avance. Pourquoi j'avance? Pour mettre le branchement des z. J'avance i++, je vais mettre des z. Donc, on va regarder ici. Donc, sort des z égale à i, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai sauvegardé cette position pour revenir après et mettre, lorsque j'arrive à n, je vais mettre la position. J'avance, c'est-à-dire je vais mettre i++, et qu'est-ce que je vais mettre? PF de i, parce que je serai là, PF de i, je vais mettre bz. Donc, je sauvegarde d'abord, i++, PF de i, je vais mettre bz, et il ne faut pas oublier d'avancer aussi, parce que si je n'avance pas et je laisse le i ici, une autre routine va m'écraser ce bz. Donc, je sauvegarde ça, j'avance, je vais mettre bz, et j'avance. D'accord. Lorsque j'avance, c'est le début de l'instruction 1 ici. Peu importe, c'est une autre routine qui va remplir tout ça. L'instruction 1, ça peut être plusieurs. Donc, j'ai mis ici une seule case, ça peut être plusieurs, bien sûr. PF instruction 1. Après, c'est après l'instruction 1, dans la deuxième routine, que je vais sauvegarder. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sauvegarder cette position de la fin parce que je n'ai pas la position fin. Je vais sauvegarder et je vais mettre dans la suivante BR. Est-ce que vous suivez? Vous êtes en train de suivre? Oui? Un exemple sur l'exercice réel, parce que regarde l'exemple, Bon, c'est un exercice réel. D'accord. C'est un exercice réel. Regardez, c'est l'instruction. If, on est en train de résoudre. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ah, réel, c'est-à-dire la condition et tout. واش كنت فاهم معنا باللي كي نديرو هذاك الطابلو لي برونشمون هذاك بي زاد و بي ار كيش راهم يخدمو ياك البي كي يكون اف زيرو يبرونشي ورانا حابين ولا انا راني ناسي مانيش فاهم مليح. Zéro, c'est-à-dire, oui. Donc ici, BZ, vous voulez dire BZ, pour le BZ. دوك حنا نسوفغاردي تيبي هذاك تاع else باش كي تكون الكونديسيون فوس نروحو للالت Oui, c'est ça, وكي تكون exactement. وكي تكون جوست نكملو نديرو لانسكريسيون تاعنا اون Oui. هذاك البي زاد علاه درناه وقتاش يبرونشي فيغ لانسكريسيون دو كي تكون كونديسيون زيرو نروح Attendez, donc ça, regardez, si j'ai bien compris, hein. J'ai cette instruction. Cette instruction, on doit l'écrire. Je ne sais pas si vous voulez dire que, puisque je vais exécuter juste l'instruction 1, ce n'est pas la peine d'écrire en même temps BZ vers S et BR vers fin. C'est ce que vous voulez dire. Regardez, dans la compilation, on écrit tout. C'est-à-dire... Parce que la compilation, on va l'écrire une fois pour toutes, et il y a plusieurs exécutions. Une fois, je vais exécuter l'instruction 1. Une autre fois, je vais exécuter l'instruction 2. Donc, ça, c'est clair, je crois. Donc, pourquoi on écrit ici BZ? On va dire BZ, ça veut dire la condition est fausse. Mais en réalité, il y a des conditions. Il y a d'autres branchements qu'il faut utiliser.
J'ai résumé les branchements ici. Donc, si j'ai la condition elle-même, par exemple, A supérieur à B ou bien A égale à 0, je vais utiliser le branchement nécessaire. Donc, regardez ici, BP, si c'est supérieur, BPZ supérieur à 0. BPZ supérieur égale à 0. Donc, ici, si je compare entre A et B, c'est-à-dire A supérieur à B ou bien A supérieur égale à B, donc j'utilise l'un des branchements. Tandis qu'ici, je n'ai pas la condition. Lorsqu'on n'a pas la condition, c'est-à-dire peu importe ce qu'il y a dans la condition, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire toujours BZ. BZ, ça veut dire... Oui. Ah, j'ai compris. Ça a le branchement, il va aller à L, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, je me branche vers L? Ça veut dire que je vais sauter tout ça. Je vais sauter tout ça et aller ici. D'accord. Allez ici. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans les formes post-fixées, c'est un emplacement dans un tableau. Regardez. Par exemple, head les deux, head ou moi. C'est une condition. Ça, c'est la condition. Condition. Ça, c'est condition. Condition, normalement, elle a sa forme post-fixée. Donc, par exemple, la condition qu'elle a, si A supérieur à B. Si A supérieur à B. Si A est supérieur à B, je vais faire quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Si c'est A supérieur à B, je vais mettre A dans une case, B dans une autre case, moins dans une troisième case, d'accord? Et l'inverse ici, BZ, ça veut dire la condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire je vais mettre inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire BMZ, au lieu de mettre BZ. Ici, on met BZ parce qu'on n'a pas la condition. Donc, je vais mettre BMZ. Vers quoi? Vers une case vide. Pourquoi vide? Parce que je n'ai pas la condition. Parce que je n'ai pas la position. D'accord? Donc ici, c'est une condition. C'est une condition. Ça peut être plusieurs. D'accord? Donc c'est un exemple, j'ai mis deux. Ensuite, là, normalement, en réalité, qu'est-ce qu'on doit mettre dans ce BZ? On doit mettre, ça va aller vers S. Le S, où est-ce qu'il est le S? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Normalement, on écrit 8 ici. C'est l'exemple que vous, peut-être vous voulez. Donc, BZ vers 8. Si la condition est fausse, je vais me brancher vers 8, c'est-à-dire ici. Ça, c'est le début S. Ça, c'est le début S. Après le BR, quand vous voyez ici. Juste après le BR, il y a le S. C'est la position 8, si je considère ça, c'est 1. D'accord? Ensuite, après BZ, il y a quoi? Il y a la forme post-fixée d'instruction 1. Donc, je vais mettre instruction 1. Donc, j'ai mis une seule case ici, mais normalement, c'est plusieurs. Si c'est l'instruction, par exemple, c'est A égale à B fois C, je vais mettre ici une case. J'ai une case chacune, non? Ce n'est pas toute l'instruction. Donc, une case pour A, une case pour B, une case pour C, une case pour l'étoile, une case pour l'affectation. Donc, c'est-à-dire, il y a 5. Après l'instruction, il y a quoi? Il y a la position de la fin. La position de la fin ici, normalement, c'est ça c'est 8, 9, 10, 11, 12, 13, normalement. D'accord? Bon, BR vers 13. Si j'exécute l'instruction 1, toute l'instruction 1, je me branche vers 13. Pourquoi? Pour ne pas exécuter l'instruction 2. Sinon, le L, il est dans la position 8. Il y a quoi ici? Il y a toute l'instruction 2. Après l'instruction 2, donc peut-être l'instruction 2, allez, donc j'ai mis ici deux cases, mais ça peut être plus, bien sûr. Donc, je suis après l'instruction 2. Lorsque je sors de l'instruction de la routine 3, c'est-à-dire ici, j'ai une routine 3. Après l'instruction 2, qu'est-ce que je vais faire? D'après la forme post-fixée, je rencontre la position de la fin, c'est-à-dire que je dois mettre à jour ce quadruplé, cette case du tableau. Je dois mettre dans SauveBR, j'ai sauvegardé cette position dans SauveBR, je vais mettre le I. Est-ce que c'est clair comme ça? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ici? Oui, madame, c'est clair.
Ayoub m'a dit raccourcir la décolonnade et lire la deuxième instruction. Une étiquette. Bon, je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. Alors, expliquez bien dans ma question. Je n'ai pas compris ce que vous avez écrit en question. Donc, je reviens à ma première routine. Normalement, vous avez compris la première routine. Je sauvegarde ça. Première routine. Je sauvegarde la position I. J'avance. J'avance. Je viens ici. Je vais mettre PF de I. Ou la T de I. T de I, je vais mettre BZ. Et j'avance. La deuxième routine, c'est-à-dire juste après l'instruction, je sauvegarde aussi une position dans une variable, autre variable, je vais appeler centré A. Centré A. Je vais mettre I. D'accord. J'ai sauvegardé ça. Ensuite, j'avance. Lorsque j'avance, je vais mettre PF de I égale à BA. Je vais mettre BA. Je vais essayer de voir, est-ce que je peux copier tout ça? La routine 2, on a ça. Voilà. Donc, la routine 2, je suis après l'instruction 1. C'est-à-dire ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ai I sur une position libre du tableau. Je n'ai pas la position, donc je sauvegarde cette position I dans une variable sur BR ou comme vous voulez, appelez-la comme vous voulez. J'avance I++, c'est-à-dire je me positionne ici, là où je dois mettre BR, I++, ensuite je vais mettre PF de I égale à BR. C'est bon, j'ai positionné. Je dois me déplacer. Je dois mettre I++ pour ne pas pouvoir l'écraser par la suite. Lorsque je me déplace, ça sera la position de Else. Regardez ici. Juste après BR, il y a le début de Else. Donc, il y a le début de Else. Je dois, c'est-à-dire je dois mettre à jour ça. Else, oui. Je dois mettre à jour, j'arrive à la position 8, je dois mettre à jour. Sauf BZ. Donc, je vais mettre PF sauf BZ. C'est-à-dire, j'ai sauvegardé sauf BZ, c'est la valeur 3, par exemple. PF de 3, je vais mettre 8. PF de sauf BZ que j'ai sauvegardé dans la première routine, je vais mettre la position I ici. C'est 8, par exemple. Je vais la mettre dans PF de 3. D'accord? Donc, ça, c'est pour la routine 2. Pour la routine 3, c'est-à-dire juste après l'instruction 2, j'ai quoi après l'instruction 2? J'ai la position de la fin. I me donne la position de la fin. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la position de la fin dans PF de sauf BR. C'est ce que je vais mettre dans la routine 3. Donc, PF de sauf BR, je vais mettre I. D'accord? Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? F, un de vous m'a dit fin à Nifridash. Fin, attendez. 11. Fin, oui, 11, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. La fin, elle est dans la position 10. Ici, parce que c'est juste un exemple, normalement, condition, elle est sur plusieurs cases, l'instruction, elle est plus sur plusieurs cases, aussi l'instruction 2. Mais ici, j'ai donné un exemple, donc si vous voulez, après, je peux vous donner un exemple concret. Vous l'avez juste maintenant.
Est-ce que c'est clair cet exemple-là? Est-ce que c'est clair ou vous avez d'autres questions? Madame, Oui. حنا كي نلحقوا كي نلحقوا لا وين كي دايره 13 Oui. تما كي نلحقوا تما لازم نزور كارديو لازم سوف بي ار الاولى هذه نبعثوا لها هذيك لا بوزيسيون Oui, la هذيك position de l'enfant. لا لا سوف بي زاد الاولى Oui. لازم هذه سوف بي زاد الاولى لازم ندو لها لا فالور تاع الانسكريسيون دوزيام Oui, هذه c'est pas grave. Oui. وين درناها وين انجستريناها في الروتين في الروتين Attendez. J'aimerais bien rajouter des cases ici. Ça, c'est un tableau. Donc, rajouter des cases insérées. Qu'est-ce que je peux rajouter ici? J'ai pas compris exactement ce que vous voulez dire. Ah, je répète dès le début. Donc, on a une condition, d'accord? Après la condition, je vais aller vers quoi? Si la condition, je vais mettre, si la condition n'est pas vérifiée, je vais aller vers else. Où est-ce qu'il est le début de else? Il est là. Cette position-là. Donc, ça, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, le else, il est dans la position 8. Je vais mettre 8 ici parce que ça, c'est la case numéro 8. Et celle-là, c'est la case numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, par exemple, hein. Donc, ici, c'est 6 parce que... Ici, c'est la case la fin. Normalement, ce n'est pas 13 comme j'ai mis ici, mais c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est 10 ici. C'est la case numéro 10, juste après l'instruction. D'accord. Normalement, ici, je mets 10. Donc, sauf BZ ici, je sauvegarde une variable. Sauf BZ. Je la sauvegarde à ce niveau-là. Quand est-ce que je vais la mettre à jour? Lorsque j'arrive à else. C'est dans l'instruction. C'est après l'instruction 1 que j'ai la position else. Si j'arrive ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre sauf BZ égale à I. Parce que après, juste après ici, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis dans la routine 2. C'est-à-dire, je suis après, juste après l'instruction 1. C'est-à-dire, la position I, c'est le début de else. Donc, cette position I, je vais la mettre dans sauve BZ. مدام معليش ترجعي روتين اون دقيقة نشوفها Attendez, peut-être ici, il y a une erreur. Hein. On fait la routine 2. Sauf BR. Non, sauf BR, je le sauvegarde. Ce n'est pas une erreur après l'instruction. Oui, la routine 1. Voilà la routine 1. حنا صوب بي زد درنا لها غسوة اي C'est-à-dire, voilà le tableau juste à côté. Sauf BZ reçoit I, c'est-à-dire ici. Non, c'est le I. Je sauvegarde le I, c'est-à-dire 3. C'est comme si dans notre exemple, je sauvegarde la valeur 3. 1, 2, 3. La valeur 3, je pars sauf BZ فهمت فهمت dans باش une من بعد variable. كندير باش من بعد كنديرو بي اف تاع صوف بي زد تولي نولو في طروان نمدو لها هذيك انسيليسيون دو سي بون Oui. فهمت ميرسي مدام D'accord. Donc, sauf BZ, c'est-à-dire par exemple la case 3, la case numéro 3, où je suis à la routine 1, je suis dans la routine 1, c'est-à-dire juste après la condition MDI. Le I, c'est quoi? C'est 3. Le 3, je le sauvegarde dans une variable sauf BZ. Ensuite, j'avance, I plus plus, c'est-à-dire I égale à 4, PF de 4 égale à BZ. Et j'avance, I égale à I plus plus 5. Je me positionne ici parce que dans la routine qui va traiter l'instruction 1, va remplir les cases à l'instruction 1, peu importe. Lorsque je suis dans la routine 2, c'est-à-dire après l'instruction 1, dans la routine 2, qu'est-ce que je vais faire? Sauf BR,
C'est une autre variable, je vais mettre la valeur 6. 6, je vais la mettre dans une autre variable, ainsi de suite. C'est le même principe des quadruplets. Les quadruplets aussi, vous allez sauvegarder QC. Vous allez remplir avec un quadruplé. C'est le même principe. Seulement, il faut comprendre la structure. Dans les quadruplets, c'est une matrice. Ici, c'est un vecteur. J'essaie de refaire un exemple pour. Donc, c'est un vecteur. Je ne sais pas comment vous avez fait les routines l'année passée. Donc, puisque c'est en ligne, donc je n'avais pas bien compris l'année passée. C'est pas grave. Est-ce que je peux passer à autre chose? C'est clair? Oui, madame. Très bien. Donc, Ayoub me dit, la fin, elle est en 11. Oui, elle est en 11 parce que je n'ai pas donné ici, j'ai donné une seule position pour instruction 1. La fin, elle est dans 10, ce n'est pas dans 11. D'accord? Parce que normalement, la condition, elle est plus sur plusieurs cases, l'instruction 1 aussi, ainsi de suite. Donc, on va passer à autre chose, toujours dans la sémantique. Donc, maintenant, le traitement des branchements inconditionnels. Les branchements inconditionnels, donc tout ce qu'on a vu, c'est les branchements conditionnels, c'est-à-dire, par exemple, l'instruction if, l'instruction qu'on a donnée, donc on utilise BZ, BG, BC, lorsqu'il y a une condition. Donc, pour les branchements inconditionnels, c'est le même cas que le BR. D'accord? Le cas de BR ici, c'est un branchement encore inconditionnel. C'est-à-dire, je me branche, lorsque j'exécute l'instruction 1, je me branche vers la fin. Il n'y a pas une condition. Forcément, si je suis là, après l'instruction 1, il n'y a pas une condition, je me branche automatiquement vers la fin. D'accord? C'est un exemple d'un branchement inconditionnel. Donc, on utilise les branchements inconditionnels avec l'instruction GoTo. GoTo, une étiquette, par exemple, GoTo vers la fin. D'accord? Donc, ça, c'est une instruction qu'on peut retrouver dans un programme donné. GoTo, une étiquette. D'accord? Donc, une étiquette, qu'est-ce qu'elle peut. Comment on peut utiliser une étiquette? On peut la déclarer. Donc, voilà un exemple comment on déclare une étiquette. Label E1. D'accord? Donc, ça, c'est la déclaration d'une étiquette. On peut référencer une étiquette, GoTo et E1. GoTo E1, ou bien éthique, ou bien else, GoTo vers else. D'accord? Et on peut utiliser, donc ici, else, ou bien, bon, on va dans, c'est pas l'exemple de else, mais une étiquette de données, E1. Donc, l'utilisation, ça veut dire, qu'est-ce que, go to E1, E1 ici, par exemple, il y a une instruction à exécuter. A égale à B fois C. D'accord? Donc, l'étiquette, je peux retrouver go to avant l'utilisation de E1, go to vers E1, ou bien après. Je peux définir E1, après, mettre un branchement. D'accord? Est-ce que vous avez compris ici? Donc, une étiquette peut être déclarée avec le mot-clé label. On peut référencer, c'est-à-dire mettre un GoTo vers cette étiquette, GoTo éthique, avant ou après sa définition ou bien son utilisation. Donc, je peux retrouver GoTo ici ou bien avant ou après. Donc, voici un exemple. Donc, GoTo étiquette, une étiquette peut être déclarée, référencée et utilisée en deux cas. Donc, le premier cas, donc l'étiquette, elle est définie avant d'être référencée. Ici, l'étiquette, elle est référencée avant d'être définie, bien utilisée. Donc, ça, c'est l'utilisation et ça, c'est référencer une étiquette. Bien sûr, je peux mettre plusieurs fois GoTo éthique vers une instruction, je peux mettre GoTo avant et après dans un même programme. D'accord? Donc, comment je peux écrire tout ça? Comment je peux traduire ça en forme postfixée ou bien en général en schéma de traduction? Donc, il faut prendre en considération les deux cas. Donc, le cas où elle est référencée,
Avant. Donc, c'est quoi le cas le plus simple? Est-ce que c'est le premier cas ou bien le deuxième cas? Là où il n'y a pas de problème. Là où c'est facile à traiter. Puisque vous avez déjà vu ça dans BR vers la fin. Vais regarder les commentaires. Le premier cas, Mandirim. Deuxième, Ayoub. Pourquoi le premier rime et pourquoi le deuxième? Yeah. Donc, qu'est-ce que c'est facile que l'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Dans le premier cas, regardez, dans le premier cas, lorsque je vais utiliser d'abord, c'est-à-dire si je veux traduire ça en quadruplet, il y a une instruction, je vais écrire les quadruplets de l'instruction, après je vais mettre BR vers ça. Go to ethic. Par exemple ici, je vais donner un exemple concret, sinon. J'ai ça, éthique, par exemple E1, une étiquette, là où A égale à B fois C. Il y a plusieurs instructions, ensuite je vais mettre go to E1. D'accord? Donc ici, je vais donner les quadruplets de ça, donc ça veut dire étoile B, C dans A. Donc ça, c'est facile de traduire en quadruplet ou bien. Donc on va parler des quadruplets ici. Mais vous pouvez aussi faire la fameuse fixée, c'est un vecteur. Après, lorsque j'arrive à go to E1, comment je vais le traduire en quadruplet? Je vais mettre juste un quadruplet, BR. Vers quoi? Vers un branchement, vers une position que j'ai déjà sauvegardée. Je l'ai cette position. D'accord? Parce qu'elle est définie d'abord. Donc ici, dans le premier cas, l'étiquette, elle est définie. Ou bien utilisée. On appelle ça définition d'une étiquette ou bien utilisation. Elle est déjà définie. C'est-à-dire, au moment là où je trouve l'étiquette, je dois sauvegarder son emplacement. Par exemple, P1, position P1. D'accord? Et lorsque j'arrive à GoTo, je trouve GoTo, je vais mettre directement P1 que j'ai sauvegardé. D'accord? Donc, c'est-à-dire que le premier cas, il est plus facile. Lorsque l'étiquette, elle est utilisée avant d'être référencée, il suffit juste d'utiliser BR vers P1. Mais si l'étiquette est référencée avant d'être utilisée, qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire que je n'ai pas de position, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais, au lieu de mettre BR, je vais mettre BRL, parce que je n'ai pas la position. Je vais mettre BRL et je n'ai pas de position ici. Qu'est-ce que ça veut dire BRL? Ça veut dire que je n'ai pas la position, je dois revenir après dans les quadruplets et mettre à jour. Lorsque j'arrive ici, je reviens et mettre à jour. C'est ça la signification de BRL. Je retrouve une étiquette, je vais créer ce quadruplet, BRL. Je retrouve un autre GoTo. Je vais aussi générer un autre quadruplet. BRL. D'accord. Ainsi de suite, lorsque j'arrive ici, je reviens dans mes quadruplets et je vais d'abord mettre, au lieu de BR, je vais la mettre à jour, je vais mettre BR et je vais mettre la position, par exemple, c'est 15. Je viens ici, je vais enlever le BRL, je vais mettre 15. C'est-à-dire, je reviens et je mets à jour. Donc ici, je ne reviens pas. Dès la première fois, je vais mettre BR, ça veut dire c'est bon, j'ai la position, je vais mettre directement la position. Ici, je n'ai pas la position, je vais mettre des BRL. Donc ça, c'est la première méthode. Ah, donc je vais. Bon. Méthode de traduction des étiquettes en forme intermédiaire, soit quadruplet ou bien fois post-fixé ou autre chose. La première méthode, c'est quoi? La première méthode, c'est traduire les go-to étiquettes. Traduire les go-to éthiques en BRLP. Je traduis en BRL. Mais dans le cas de BRL, il y a deux cas.
D'accord. Il y a le cas où l'étiquette est définie avant la référence, on génère directement BR. Directement, je génère un BR vers P.adresse. Je vais revenir sur mon P.adresse parce que je devais expliquer autre chose. Donc, P.BR vers une adresse donnée. D'accord? Et dans le deuxième cas, l'étiquette, elle est non définie. Je génère d'abord un BRNP. Donc, BRN, la première case du quadruplé, P, traduit après en BR vers P1. Bon, je vais expliquer d'abord ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir qu'une étiquette peut être déclarée, référencée ou bien utilisée en deux cas. Avant, elle peut être référencée avant d'être définie ou bien définie après être référencée. Donc, dans la table de symboles, qu'est-ce que vous allez retrouver dans le cas des étiquettes? Vous allez retrouver tout ça. Vous allez retrouver le nom de l'étiquette, par exemple ET1. Le type, c'est facultatif. Donc, le type, par exemple, c'est une chaîne de caractères, c'est un entier, c'est un caractère. Par exemple, ET1 ici, c'est une chaîne de caractères. D'accord? Déclaré ou non? Est-ce que l'éthique, je suis là, bioéthique, est-ce qu'elle est définie? Oui, elle est définie. Je suis là à ce niveau, est-ce que l'étiquette est définie? Elle n'est pas encore définie. Si je suis là, elle n'est pas encore définie. Définie, ça veut dire utiliser. C'est ça, définie ou pas. L'adresse ou bien le numéro de l'étiquette, par exemple ici, bioéthique, si, dans le cas des quadruplés, ça, c'est le quadruplé numéro 2 pour cette étiquette. Ça, c'est le quadruplé 4 pour cette étiquette. D'accord? Pour la première étiquette, on va mettre 2, l'adresse ou bien le numéro du quadruplé. D'accord? Ou bien la case du tableau qu'on peut se fixer. Donc, ici, pour le premier quadruplé, c'est numéro 2. Pour l'autre, numéro 4. D'accord? Et ici, l'adresse, donc il y a deux adresses, ça c'est le numéro de l'étiquette, et ça c'est l'adresse du quadruplé, le quadruplé vers laquelle l'instruction va se pointer. Je reviens à mon exemple, si je prends GoToEthic, elle est dans le quadruplé 2, par exemple, il y a un seul ici. Il y a une autre étiquette dans le quadruplé 4, mais le quadruplé de l'instruction, parce que cette étiquette, elle va aller vers GoToEthic. L'instruction, elle est par exemple dans le quadruplé numéro 13. D'accord? Cette étiquette, elle est dans le quadruplé numéro 2. Donc, on a BR vers, bon, je vais enlever 0, normalement ici, BR vers 13. BR vers 13, BR vers 13. D'accord? Parce que l'étiquette, elle est dans 13. Donc, ici, c'est le quadruplé numéro 2. Quadruplé numéro 2. Donc ici, là, le numéro d'étiquette, c'est 2. Mais l'adresse, bien l'adresse de l'étiquette, mais l'adresse du quadruplé vers lequel l'étiquette va se pointer, il est dans 13. Vous voyez, donc il y a deux adresses. L'adresse de l'étiquette et l'adresse du quadruplé vers lequel l'étiquette va se pointer. Très bien. Donc, c'est-à-dire... P, la position dans la table de symboles, on a l'habitude d'utiliser P pour voir est-ce qu'elle est déclarée. Donc, on utilise l'instruction lookup pour voir est-ce qu'une étiquette ou bien en général, est-ce qu'une variable est déclarée. On utilise la fonction lookup. Après, on va voir est-ce que P.déclare égale à 0 ou 1. D'accord? Donc, ici, pour voir l'adresse du quadruplé, je peux utiliser P.adresse. La variable p.adresse qui est située dans la table de symboles. Donc, dans les étiquettes, il y a deux fonctions. Lookup, la fonction lookup, nom de l'étiquette, par exemple, ET1P. Et une procédure, une autre. Donc, ça, c'est vous avez l'habitude d'utiliser cette instruction lookup. Et il y a une autre procédure, insert, pour insérer l'étiquette dans la table de symboles. D'accord? Insérer. C'est dans la phase lexicale, donc insérer l'étiquette dans la table de symboles. D'accord. Est-ce que vous avez compris jusqu'ici?
Juste ici, Ayoub nous dit fin n'est pas sauvegardée. Dans l'exemple précédent, la fin n'est pas sauvegardée. Donc ici, la fin, on ne sauvegarde pas, mais lorsque j'arrive à la fin, je vais mettre à jour ce quadruplet. Non, je ne sauvegarde pas. Pourquoi sauvegarder? J'arrive ici à la fin, dans la dernière routine, j'arrive à I, dans la routine 3, je vais mettre dans sauver la position. Je ne vais pas sauvegarder. Est-ce que vous avez des questions pour... bon, ici, qu'est-ce que j'ai expliqué ici? J'ai expliqué les parce que j'arrive pas à avancer. Donc ici, dans la table de symboles, il faut comprendre la différence entre ces deux adresses. Il y a l'adresse de l'étiquette et l'adresse du quadruplet. On utilise deux fonctions, ça vous avez l'habitude d'utiliser. Il y a deux cas pour traduire les branchements inconditionnels. Soit dans le premier, il y a deux méthodes. Il y a deux méthodes. Méthode de déchaînage, on va voir méthode de déchaînage. Donc la prochaine fois, on va écrire les routines correspondantes. Il y a la méthode, là, on utilise BRL. Mais j'utilise BRL, il y a deux cas. J'utilise BRL dans le cas où je n'ai pas la position. Je vais générer un BRLP, d'accord, qui va être traduite en BR. Lorsque je connais la position, je vais traduire BRLP en BR vers P.adresse. P.adresse, c'est ça, P.adresse. C'est la position du quadruplet parce que ça va se pointer vers l'étiquette. Et P.adresse, c'est ça dans la table de symboles, P.adresse. D'accord? Le deuxième, donc ça c'est le deuxième cas là où je dois traduire. Et dans le cas où j'ai la position, je vais mettre directement BR. P.adresse. Parce que j'ai la position dans P.elle est dans P.adresse. Regardez, dans ce cas-là, j'ai l'étiquette, elle est définie. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est définie? Ça veut dire que j'ai la position ici dans la table de symboles. Je vais l'utiliser directement lorsque je rencontre, j'ai déjà ça, je rencontre GoToEtiquette, j'ai déjà mis dans la table de symboles la position. Je rencontre GoToEthique, je traduis ça directement en BRP.adresse. D'accord? Pour le chaînage. Je vais expliquer le principe. Pour le schéma, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas utiliser des BRL et revenir après comme le cas dans la méthode 1. On va générer directement des BR, même si je ne connais pas l'emplacement. Donc, ici, regardez ici, je génère BR, je génère BR, je n'ai pas d'emplacement. Dans le cas des schémas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une liste. Je vais créer une liste en utilisant quoi? En utilisant le P.adresse, ce champ-là de la table de symboles, et je vais utiliser le deuxième champ du quadruplet. Ça, je vais utiliser ça de chaque étiquette. D'accord? C'est ce que je vais utiliser. On génère un BR au lieu de BRL. Je n'utilise jamais de BRL dans le chaînage des références. Ça veut dire quoi? J'utilise plus de BRL. Ça veut dire je ne reviens pas. D'accord? Je reviens pas. Parce que BRL, ça veut revenir dans les quadruplets. Chaque fois que je trouve BRL, je dois mettre le BRL. Je vais mettre à jour BRL par BR. Et la deuxième case, je vais mettre la position. Dans le cas d'échaînage, qu'est-ce que je vais faire? Je relis tous les BR qui ont référence à une même étiquette en utilisant une liste. Par exemple, ici, toutes les étiquettes, j'ai trois. Je peux avoir plus, par exemple. Je vais mettre un exemple là où j'ai plus, 7 par exemple. J'ai par exemple trois étiquettes qui vont aller vers la même étiquette numéro 13.
D'accord. Le quadruplé numéro 2, quadruplé numéro 4 et numéro 7 qui vont tous aller vers le quadruplé, se brancher tous vers le quadruplé 13. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une liste. D'accord, créer une liste en utilisant, je ne vais pas créer une liste comme vous avez l'habitude de voir une liste et tout, une structure difficile, mais je vais utiliser des variables, des structures que j'ai déjà. D'accord, c'est dans le but de faire une optimisation. C'est ça le principe. J'optimise pour ne pas utiliser d'autres structures parce que normalement, c'est quoi le problème ici? Pourquoi je crée un chaînage? Il faut comprendre le problème. Le problème, c'est que si je ne crée pas un chaînage ou bien j'utilise une structure qui est déjà, qui existe déjà, ça veut dire que je vais sauvegarder ce numéro de quadruplé, je vais générer ce quadruplé BR et je le sauvegarde en sauve BR. Après, je sauvegarde ici, je sauvegarde dans une autre variable, je sauvegarde dans une troisième variable. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a plusieurs étiquettes, ça peut être dans un algorithme, plusieurs étiquettes. Je ne connais pas le nombre d'étiquettes. C'est ça le problème, combien de variables je vais utiliser. C'est pour ça que je vais utiliser des variables qui existent. C'est-à-dire ici, je vais utiliser ce champ-là, ce champ-là, ce champ-là, et même le p.address, qu'il est initialisé à 0. Comment je vais utiliser? Regardez, je vais vous donner l'idée et on va écrire l'algorithme la prochaine fois, les routines. Donc, p.address, lorsque je rencontre le premier quadruplé BR, je vais sauvegarder son adresse dans p.address, ici. D'accord? J'ai sauvegardé ce quadruplé. Il n'est pas perdu. Ensuite, j'arrive au quadruplé 4. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre dans le quadruplé numéro 2, parce que j'ai son numéro. Je suis là. Mais j'ai sauvegardé celui-là. Je vais mettre dans le quadruplé numéro 2, je vais mettre numéro 4 pour créer un chaînage. Après, c'est l'inverse. Parce que, bon, 4, normalement le p.address à la fin va contenir le dernier quadruplé, c'est-à-dire à la fin. Et celui-là va contenir 0 normalement. 7. Bon, je vais laisser parce que je fais vite. Vous n'allez pas comprendre ça. Donc, puisque... Maman, pourquoi j'ai initialisé p.address? On va l'initialiser à 0 au début. Normalement, regardez. À la fin, normalement, on va retrouver ça. P.address, c'est quoi en réalité? C'est la position du quadruplé. Normalement, à la fin, on va avoir, lorsqu'on va dérouler nos algorithmes, on va retrouver 13 ici. Et BR ici vers 13 aussi. BR ici vers 13. Et le dernier vers 13. Tout ça vers 13. On va, mais on ne va pas, dans la méthode d'échaînage, on ne va pas utiliser d'autres variables. C'est-à-dire, on va utiliser p.address, on va le mettre à jour, mais à la fin de l'algorithme, on va mettre, lorsqu'on va rencontrer le quadruplé étiquette, on va mettre 13. D'accord? Et on va mettre à jour tout ça. Mais je vais utiliser tout ça, le deuxième champ de chaque quadruplé, pour créer ce chaînage. C'est-à-dire, ici, je vais sauvegarder le quadruplé numéro 4. Après, je vais sauvegarder le quadruplé numéro 7. Ici, il y a 4, 7, d'accord? Jusqu'à arriver... C'est clair. Donc, je vais revenir sur ça parce que c'est l'heure. On va revenir sur ça la prochaine fois. On va donner la grammaire. Donc, on n'a pas donné la grammaire dans le cadre des définitions, utilisation, référencée. On va donner la grammaire.
Pour donner le schéma de traduction, on va donner la grammaire, les routines sémantiques. D'accord? Puisque c'est l'heure. BRL, Salah Himam me dit, qu'est-ce que ça veut dire BRL? C'est BR. Je suis dans la phase compilation. C'est ce que vous connaissez comme BR. On met BRL, ça veut dire que je dois mettre à jour. Je n'ai pas encore la position, c'est tout. Lorsque le compilateur rencontre BRL, ça veut dire mon quadruplé ou bien ma position n'est pas encore définie. Je dois revenir lorsque je rencontre la position et définir, c'est tout. C'est-à-dire, c'est juste pour faire, comment dirais-je, c'est pour dire que j'ai pas encore, vous avez compris, c'est pour dire que j'ai pas encore trouvé la position. Lorsque je trouve, je remplace BRL par BR. C'est tout. Donc, je dois m'arrêter là, parce que vous avez encore juste après. D'accord, c'est madame. Je reviens sur cet exemple prochainement.